Spécialité ivoirienne de Bordeaux, Likoufa, le clip. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Je tenais tout d'abord à m'excuser auprès de tous ces abonnés-là qui m'admirent de ouf, qui me soutiennent dangereusement, vous ne pouvez pas imaginer. Franchement, excusez-moi pour ces désagréments. Normalement, ma réaction sur spécialité ivoirienne, c'était depuis avant-hier. Et j'ai pas réagi. Je me suis même excusé, j'ai pas respecté. Franchement, excusez-moi. Pour compte fait, on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc voici ma réaction aujourd'hui et j'espère qu'elle va vous plaire. J'essaierai d'être le plus juste possible. J'essaierai d'être le plus droit et le plus convaincant dans mon décryptage. Donc asseyez-vous bien parce que tout à l'heure, on va décortiquer de fond en comble cette histoire des spécialités ivoiriennes qui a surpris plus d'un. Voilà, à tout à l'heure les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, à la base, je procède à des firmes. Bon retour les amis, bon retour. Voilà, aujourd'hui on parle du clip, du dernier clip de l'artiste de Bordeaux Likoufa intitulé Spécialité ivoirienne. Au passage, j'espère que vous continuez de vous abonner, j'espère que vous partagez aussi mes vidéos, mais surtout, j'ai besoin de vos commentaires aussi, parce que ce décryptage-là, cette réaction sur spécialité ivoirienne-là, j'ai besoin aussi de vos avis. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des spécialités ivoiriennes, surtout du clip. Voilà, parce que, avant tout propos, j'aimerais dire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi, mais je pense que de Bordeaux Likoufa est un artiste vraiment, vraiment spécial. C'est ce que j'ai dit dans plusieurs vidéos ici. Et il a souvent mal pris, certains de ses fans l'ont souvent mal pris, mais de Bordeaux Likoufa est des génies, un génie de la musique ivoirienne, qui lorsqu'il partira aussi, on va s'en rendre compte. Vous savez, pour en venir sur spécialité ivoirienne, parler de son clip, quand son ami est décédé, je me suis assis et puis je me suis amusé à écouter le morceau. Vrai que j'ai pas pu écouter tous les morceaux de DJ Avad parce qu'ils étaient vraiment, vraiment, vraiment innombrables, c'est-à-dire on pouvait pas les compter, j'y arrivais pas, j'ai écouté quand même moins une cinquantaine. Et puis j'ai cherché à écouter le morceau de Bordeaux Likoufa. Et puis j'ai réalisé que c'était deux génies. Je comprends pourquoi ils ne s'entendaient pas musicalement en fait. Parce que l'autre, certes, est très rapide dans les morceaux. Mais l'autre avait une particularité. Je parle de Bordeaux Likoufa. C'est celui-là même qui a la capacité de faire sortir un, deux morceaux qui peuvent tenir sur 2, 3 ans. Vous comprenez un peu? C'est sa spécialité à lui en fait. Et ça aussi, c'est du génie. C'est pas permis à tout le monde. Voilà. De Bordeaux peut se permettre de faire 5 ans sans chanter. Et il est toujours attendu. C'est pourquoi il y avait cette petite dédiaille entre eux en fait. Parce que bien qu'il est numéro 1, mais il y a l'autre qui s'est dit que je suis plus talentueux que lui. Et l'autre dit que je suis plus talentueux que lui. C'est pour voir, pour revenir à la spécialité ivoirienne, je vais vous expliquer. Vous savez très bien que De Bordeaux Likoufa, sa stratégie pour faire sortir un morceau ou un clip, c'est beaucoup de bruit. Quand je dis beaucoup de bruit, c'est beaucoup de buzz, c'est beaucoup de polémiques, c'est beaucoup de promotion autour de la sortie de un de ses opus. Mais tellement touché par la disparition de son ami, et puisque le clip spécialité ivoirienne était demandé par ses fans et par les mélomanes, il a dit, bon, ben, c'est vrai qu'actuellement, je ne suis pas trop bien mentalement, je ne suis pas trop bien moralement, mais je décide quand même de sortir les clips spécialité ivoirienne. Il n'annonce même pas. Ça, c'est une première. C'est pourquoi je dis, il a dribblé tout le monde. Parce que je me disais qu'il allait finir de faire son deuil, faire un peu de bruit et sortir spécialité ivoirienne. Mais malgré qu'il n'a pas fait de bruit, vous avez vu un peu ce que c'est spécialité ivoirienne. Le clip, sans bruit. Je dis bien, il est bon de faire sortir un clip sans bruit. Sans trop de promotion, sans trop de tapage. Il est déjà à 326 000 vues en 2 jours. Quelqu'un qui n'alimente pas son YouTube comme ça, son compte YouTube comme ça, pour ne pas dire sa chaîne YouTube comme ça. C'est extraordinaire. Maintenant, pour parler même du clip, pourquoi je vous dis aussi qu'il nous a dribblé, je vous explique. Rappelez-vous, lorsque Debordo parlait de, on va dire, du tournage du clip, il a dit deux choses qui ont attiré mon attention. Il a dit qu'il veut voir tout le monde en tenue traditionnelle et tout, parce que c'est pour honorer la culture ivoirienne, les ethnies ivoiriennes. Donc, on s'est dit que c'était ça seulement. Et dans un deuxième direct encore, il dit que la deuxième phase de ce clip-là, elle se portait comment? C'est-à-dire la phase dansante, c'est-à-dire il a demandé aussi à toutes ces belles filles qui aiment bien passer dans les clips de Bordeaux de venir en robe moulante, de venir en coulant, de venir en des robes franchement qui vont donner beaucoup d'effets. Parce qu'on sait que de Bordeaux, sa spécialité dans ses clips, ce sont les grosses fesses, ce sont les rondeurs. Voilà, parce que lui-même, il ne le cache pas, il le dit tout le temps. Donc moi, perso, je n'étais pas pour cette idée-là, parce que quand j'écoute bien la structuration musicale de spécialité ivoirienne, je vois pas où est la place
d'une image d'une fille qui est en robe moulante en train de s'étourmousser. Ça passe même pas avec le morceau en fait. Parce que c'est trois nuances, je dirais trois ou quatre nuances dans un seul morceau. Le bolo super, l'équilé, et le zouglou, et puis une petite partie coupée décalée. Vous voyez un peu? Donc, oh, la petite partie coupée décalée fait même pas 15 secondes. C'est juste où il y a les roucascas. Après ça, c'est toujours dans le terroir. C'est toujours dans la spécialité ivoirienne en fait. Donc, dans mon cœur là, je me suis dit, ah, des bolos, si tu veux pas que les gens t'attachent, ils te demandent pardon. Ton histoire de vouloir mettre des goûts en robe moulante danser dans ton clip là, ça sera soi. C'est ce que je disais. Je me disais intérieurement en fait. Vous comprenez un peu? Et puis, bizarrement, comme par télépathie, le mec, il a compris. Il a compris. Il nous sort spécialité ivoirienne. Vraiment, en plus spécialité quoi. Du début jusqu'à la fin, j'ai cherché une faille. On dira que bon, c'est ton artiste qui a dit que son clip est beau. Vous savez très bien que je chante, c'est pas faux. J'ai cherché une faille dans le clip, mais j'ai vu que le clip était simplement beau. Voilà. Simple et beau. Pas trop de bourrage, une belle chorégraphie, un truc d'ensemble, un truc de famille, comme il avait dit dans son premier direct, c'est ce qu'il a fait. Parce que je vous dis, je connais bien les Ivoiriens, je connais bien les fans du Coupé Décalé. S'il avait mis de grosses fesses dedans, vous allez voir. Allez voir même au niveau des likes et des dislikes. Les dislikes, on dira simplement, c'est des personnes qui n'aiment pas Debordeaux Likoufa, c'est tout. Sinon, ce clip-là, j'ai cherché, 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 cherché. J'ai pas trouvé de faille. Regardez même le début du clip, où il dit, Mimi est venu, Mimi est venu. Il descend d'un baka. Et puis, ces fans-là qui l'attendaient, rue vers lui. Ah, c'est rue vers lui, en fait. Vous comprenez un peu? Il a essayé tant bien que mal dans ce clip-là de transcrire en image ce qu'il a dit dans le clip. Vous voyez un peu? Parce qu'il avait dit que c'est comme une réunion. Voilà, réunion de famille. Et c'est ce qu'il voulait. Il voulait être en famille avec ses fans et tout ça. Donc, il a laissé loin de lui ses histoires de collants, robe moulante. Et franchement, sur ce plan-là, Debordeaux m'a vraiment, vraiment convaincu. Parce que je me disais que Debordeaux, faut pas mettre ton histoire de collants là-dedans. Sinon, les gens vont t'attacher encore. Parce qu'on dira quoi? Que toi, Debordeaux, quand tu dois faire un clip, tu te sens obligé de forcément mettre des fesses dedans. Voilà. Déjà que la période est tellement sensible. Parce que moi, je me suis dit que quoi? Normalement, Debordeaux ne devait pas sortir le clip de spécialité ivoirienne dans cette période-là. Parce qu'on sait qu'il va mal. Tantôt, on lui dit qu'il est malade. Tantôt, il veut se suicider. Donc, ça n'a pas fait trop effet. Mais bizarrement, c'est là que vous voyez que Debordeaux, il est aussi influent. Il a aussi son impact. L'aura qu'il a, là, est vraiment, vraiment forte. Mais il ne le réalise pas, en fait. 326 000 en 2 jours, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Dans cette période-là, la plupart des morceaux qui sont sortis, qui ont cartonné un peu, c'est les morceaux hommage. Sinon, tous ceux qui ont tenté de faire sortir des morceaux, on va dire lambda, comme ça, on a vu un peu, ils peinaient à faire même 100 000 vues. Parce que la période fut sensible. Mais comme c'est Debordeaux Likoufa, et ce qui est épatant dans son histoire, ce qui est épatant dans sa spécialité ivoirienne, c'est qu'il ne prévient pas. Il balance le clip. Le clip s'est tourné dans un même endroit. Et c'est ce qui m'a plu en fait. C'était un clip de convivialité, c'était un clip de vivre ensemble. Parce qu'ils le pont dans tous ses directs en fait. Et puis la chorégraphie était belle, j'ai vraiment adoré la chorégraphie. C'était vraiment synchro, et puis les images étaient belles et tout ça. Je vois ces danseurs habillés en orange, blanc, vert. Franchement, ça reflétait vraiment ce qu'il avait dit dans le titre même de son morceau spécialité ivoirienne. Et là, pour ceux qui n'ont pas regardé le clip en description, il faut aller regarder. Il faut aller regarder, s'asseoir et l'apprécier gentiment. Sans trop de jalousie, hein, sans trop de rancœur, asseyez-vous puis regardez bien le clip. Vous verrez qu'il n'y a aucune faille en fait. Le clip est simple, mais il est beau. Simple, mais communicatif. Ça, c'est du Debordeaux en fait. Voilà. Je me suis assis, je me suis dit, est-ce qu'il serait la peine même de réagir sur ce clip-là? Parce qu'il est beau. C'est une première avec Debordeaux, parce que Debordeaux, on connaît. Quel que soit le morceau, il faut qu'il y ait des grosses fesses dedans. Pour embrouiller un peu les gens, parce qu'il a compris que les internautes aiment bien ça. Les grosses fesses dans les clips, nous tous on aime ça, faut pas on va se mentir. Mais il a dit non, aujourd'hui je vais faire les choses différemment. Je vais faire les choses différemment. Et puis il fait sortir les clips 2 mois plus tard, les gars, 2 mois plus tard. Et 326 000 vues en 2 jours. C'est costaud. Il faut respecter Debordeaux. Il est ce qu'il aime, c'est un pur talent, c'est du pur génie. Il faut maintenant, dès maintenant, commencer à lui donner de la force. Commencez à lui donner du courage pour qu'il revienne au top de sa forme. Parce qu'on ne va pas tout le temps vilipender nos artistes, on ne va pas tout le temps les rabaisser. On a perdu un grand monument, un génie de la musique ivoirienne, un monstre de la musique ivoirienne. Prenons soin de ceux qui sont là actuellement. Je veux parler de Beno, je veux parler d'Ariel Chiné, je veux parler de Safarel, je veux parler de Debordeaux, je veux parler de Kedje Vara, de DJ Léo, de DJ Mix et consorts. Il faut prendre soin de nos artistes.
Donc c'était ça ma petite réaction sur Spécialité Ivoirienne. J'avais pas grand chose à dire, mais je pense que l'artiste a littéralement, selon le morceau et selon ce que son morceau exprimait bien en image, son clip Spécialité Ivoirienne. Je répète pour vous dire encore que le clip est simple, mais il est beau. J'attends celui qui viendra me dire le contraire. Sinon, moi, c'est ce que j'avais à dire sur Spécialité Ivoirienne de Bordeaux Koufa. Si ma réaction t'a plu, ma brève réaction et simple, je dirais, t'a plu, partage ma vidéo et like-la au maximum. Mais surtout, 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 dis-moi ce que tu penses des spécialités ivoiriennes de Bordeaux Koufa. Je parle du clip. Ciao, ciao les amis, c'était Eritor. On est ensemble.